aujourd'hui à Jancey, donc c'est une petite commune située proche de Poitiers. Donc à savoir, DTIP France organise des séjours un peu partout dans toute la France. On a déjà fait des séjours à Lyon, à Paris, à Troyes. Et aujourd'hui, on est plus du côté de Bordeaux, Nantes, donc à savoir à côté de Poitiers. Donc ça va permettre aux familles de toute la France de pouvoir participer et inscrire leurs enfants dans nos centres de vacances. Et donc aujourd'hui, nous avons ici dans ce centre 53 enfants qui viennent de toute la France, à savoir de Strasbourg, de Paris, de Lyon, de Marseille, de Nantes et de Bordeaux. On est à peu près 15 encadrants ici où on essaye de transmettre les valeurs de notre belle religion et les valeurs universelles. Et à savoir, parmi les 15 encadrants, nous avons quelques personnes en cuisine qu'on salue et qui font un travail magnifique. Et on a aussi donc des imams qui viennent d'un peu partout de toutes les mosquées, à savoir des femmes et des hommes qui encadrent nos enfants. Venez, on va voir les enfants. Salam alaikum. Concernant les activités, on essaie de proposer aux enfants des activités hors normes. Donc des activités qui, durant toute l'année, ne feront pas. Comme par exemple le kayak, comme par exemple la visite d'un château, comme par exemple pour ce séjour-là, nous allons visiter le Futuroscope, un grand parc assez attractif donc, pour les enfants. L'un de nos buts durant ces séjours est de préparer les enfants à l'avenir. À savoir, on essaie ici de proposer des activités aux enfants qui va les aider à se construire. On essaie de favoriser l'autonomie de l'enfant. On essaie de développer sa confiance et son esprit en proposant des activités ludiques et aussi éducatives. Comme par exemple, nous organisons des veillées théâtre, des veillées débat, où l'enfant justement prend la parole, doit jouer un rôle devant un public, devant 50 enfants. Et donc ça va permettre aussi de gagner en confiance à l'enfant. Nous voulons aussi apprendre à ces enfants à vivre en société, notamment lors de nos séjours. Ils n'ont pas accès à leur téléphone. Ça leur permet de profiter pleinement de nos activités, mais aussi d'apprendre à se connaître les uns et les autres et de créer des liens d'amitié. Durant ces séjours, bien évidemment, la spiritualité a une place importante. Nous prions les cinq prières donc, tous ensemble, où les enfants eux-mêmes, des fois, dirigent la prière pour les plus grands. Donc, concernant les cours, on essaye de leur inculquer donc, l'amour du Coran. Nos professeurs préparent en amont un cours adapté donc, pour chaque tranche d'âge. Donc, ça va permettre à l'enfant d'évoluer assez rapidement. Il est essentiel pour nous de transmettre les bonnes valeurs. Et tout ça avec bonté, avec bienveillance. Et surtout, on essaye de faire en sorte qu'il aime donc, ce qu'il fait. Et aussi, durant ce séjour, les enfants prendront des initiatives, à savoir, ils participent activement donc, aux tâches quotidiennes. Donc, on leur demande à chaque enfant de bien ranger son lit, de bien préparer ses affaires, de gagner en autonomie, de participer aux tâches concernant le repas. Par exemple, c'est eux qui vont préparer la table, c'est eux qui vont nettoyer la table.
Donc ce sont des fois des choses qu'ils font pas forcément à la maison. Donc ici, ça leur permet de développer donc, ces aspects-là. Donc moi, c'est Aïssel, je travaille dans les colonies de vacances d'Itibe. Je suis la personne qui s'occupe de la création des menus et de tout ce qui est de la logistique de la cuisine. Avant la colonie, moi, ce que je fais, c'est que je travaille en amont chez moi pour créer un menu adapté. Moi, ma motivation, ce qui m'anime, ce qui fait que malgré ces grosses journées de travail, je viens en colonie avec d'Itibe, c'est vraiment le lien, le côté social, les nouvelles rencontres, les enfants et le challenge. Parce que dans tout ça, il y a aussi un challenge, hein, de trouver des menus adaptés à ce que une grande majorité, voire tous, puissent aimer et manger quand même à sa faim. Donc toutes ces raisons-là font que je suis toujours là. J'aimerais remercier donc tous les encadrants, à savoir les imams, les professeurs, les étudiants, les femmes de ménage et les chefs cuisinières qui font un travail exceptionnel et souvent dans le bénévolat. Donc à savoir, c'est vraiment important de remercier, de ne pas oublier ces personnes-là. Et je remercie évidemment tous les parents donc, qui ont osé et qui nous ont fait confiance donc, pour participer à cette aventure. Quand les enfants quittent nos colonies, en général, ils sont très satisfaits et reviennent dans nos colonies car ils voient qu'ils ont la possibilité de s'amuser en étant loin des écrans et partagent de très bons moments ici avec leurs amis et nos animateurs et animatrices. Evet değerli dostlar, değerli veliler. Bugün 2024 yaz kampımızın yapıldığı Gencay'dayız. Bugüne kadar yüzlerce kız ve erkek öğrencimize ulaştık. Bir hafta 12-13 gün, 14 günlük kamplarımız oldu. Oldukça verimli geçiyor. Ben öncelikle bize güvenip evlatlarını bize teslim eden velilerimize teşekkür etmek istiyorum güvenleri için. Ayrıca bu kampların esas yükünü çeken hocalarımız var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Doğrusu bugün de bu çağda çocuk yetiştirmek, çocuklarımıza bazı değerleri aktarmak oldukça ciddi bir çaba gerektiriyor ve bazen çok yorucu oluyor. Bu yükün altından ancak birlikte kalkabiliriz. Kurumlarımızın bu konudaki desteği çok önemli. Bizler de DİTİB ailesi olarak düzenlediğimiz bu kamplarla çocuklarımızın hem temel dini bilgilerini almalarını hem de adab-ı muaşeret, sevgi, saygı, şefkat, merhamet gibi temel değerlerimizi kazanmalar için bu kampı ve diğerlerini düzenliyoruz. Umarız çocuklarımız buralarda kazandıkları değerleri hayatları boyunca devam ettirirler ve bizler için de arkamızdan hayır dualarla bizleri anarlar. Kendileri için ve bizler için bir ahiret azı olacak. Güzel hatıralarla buradan ayrılmış olurlar.